Si c'était à refaire, je le referais. Mais les yeux fermés. Des carottes. Donc il est dans son potager, tu vois. Et en fait, il est en train de jardiner. Nos parents, judicieusement, ont fait un choix, celui de garder leurs enfants. Donc on s'est retrouvés avec une structure ouverte, mais sans enfants. Je me suis mise sur la liste de bénévoles. Et j'ai été contactée très rapidement parce qu'il y avait un besoin. Donc j'ai eu 3 enfants sur la structure pendant 2 mois et demi. Tout s'est très très bien passé, il était très bien accueilli, puis il s'est beaucoup plu ici. Et c'était un soulagement parce qu'avoir une solution de garde ici, c'était quand même bien plus pratique, sachant que sinon, on aurait été obligé de le laisser aux grands-parents, on ne pouvait pas faire des allers-retours, donc d'avoir une solution quand même sur la commune, et pour nous, c'était vraiment, on va pouvoir le voir tous les jours, on n'aurait pas pu se séparer de lui. Ça s'est fait naturellement, simplement, mais vraiment, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de remerciements, beaucoup de gratitude. Je pense qu'ils en avaient besoin pour aller travailler dans de bonnes conditions. Et donc du coup, de retrouver leurs enfants qui étaient bien, qui avaient passé une bonne journée. Les parents ne se sont pas posés de questions de savoir à quelle heure, si c'était tard, si... Enfin voilà, et je pense que c'est pour ça que ça a matché, quoi, en fait.